Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce divine. Bon, je l'espère pour vous aussi, avec vos familles. Protégez-vous avec la COVID, la varia. Donc, protégez-vous vraiment, vraiment pour le bien de votre famille. Bon, aujourd'hui, je reviens avec un grand ménage du salon, la cuisine et des salles à manger. Là, je viens juste de commencer aussi. J'ai commencé là-bas parce qu'il y a vraiment des saletés, les moitiés des biscuits, des arachides. J'ai des jeunes enfants à la maison, donc je dois m'attendre à tout. Et c'est ça les devoirs d'une mère. On n'a pas le choix, hein? C'est ça nos devoirs. Bon, c'est comme ça. Et oui, je commence par là. Et après, nettoyage, je vais essuyer. Je vais faire aussi des petits changements de déco dans la maison, comme ce qui était à gauche, j'ai mis à droite, comme donc un peu de déplacement seulement, vite fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on commence ensemble. Bon, là, je suis rendue à mon étagère. Je vais essuyer vite fait. Après, je vais faire des petits décos comme des placements qui étaient en bas, en haut, en bas. Donc, suite de suite, juste faire des petites modifications et l'ambiance sur la étagère. C'est ça, comme notre déco. C'est ça. Bon, c'est ça. Une autre chose que je voulais vous dire, il y a des vases qui sont là. J'ai acheté à Dollarama. Après, je les ai fait DIY toutes seules. Même avec mes livres qui sont sur l'étagère, qui sont dans mes plateaux. Je les ai achetés. J'ai fait aussi DIY, toutes ces affaires-là. Donc, je peux dire sur cette étagère, il y en a à peu près à part les tasses et des petits trucs qui sont vraiment au premier étage. C'est ce que j'ai acheté, mais les restes, j'ai fait toutes celles DIY. Là, on est au côté salon. J'ai passé l'aspirateur de mes sofas parce qu'il y avait tellement de morceaux des arachides, des biscuits aussi, des crayons, des pièces de monnaie. Alors, on a essayé un peu de passer l'aspirateur dedans. J'avais enlevé tous les coussins pour me faciliter à bien passer l'aspirateur. Et c'est comme ça, hein, avant de faire d'autres choses, j'ai commencé par ça. Et après, je vais passer aussi les balais et la mop. Je vais passer l'aspirateur et la mop. Après, ça va être les nettoyages et tous les meubles qui sont salants. Bon, on avance. Thank you.
côté cuisine. Avant d'avancer, première chose que je vais faire, je vais ranger un sou de mon lavabo dans l'armoire. C'est là que j'arrange tous mes produits et à un endroit, là j'arrange mes produits. Alors c'était vraiment désordonné, sale et tout. Je vais enlever tout ça et je vais bien placer en ordre pour que ça soit au moins présentable. Après, on va faire la vaisselle et on va essuyer et c'est comme ça, hein? On va nettoyer ensemble. On avance encore. Bon, là, je viens de terminer la partie de mes nettoyages, des arrangements des produits de nettoyage. Là, je vais me rendre pour laver la vaisselle. La vaisselle, là, qui sont là, vous les voyez, qui sont propres, bien arrangées. Oui, c'était lavé. C'est ma fille de 8 ans qui a lavé. À chaque fois, elle lave. Elle met tellement beaucoup de savon qui reste collé sur la vaisselle. Alors, j'ai obligé de re-nettoyer deuxième fois. Et je l'ai dit que c'est la dernière fois. Prochaine fois, elle doit recommencer à faire si elle lave comme ça et elle doit retourner deuxième fois pour rincer encore. C'est comme ça, je suis en train de l'apprendre. Donc, elle est en stage. Je la laisse au moins le temps d'apprendre et de ne pas apprendre même journée. Non, il faut que je la laisse le temps. Chaque jour, elle va s'améliorer. Mais là, je dois rien laver encore cette vaisselle-là parce qu'il y a trop de savon qui est collé dessus. Tous les cas!
Bon, là, on vient de terminer de faire notre vaisselle. On nettoie les comptoirs, on va laver nos lavabos, on va laver le petit bol d'éponge. Après, je vais balayer, je vais passer aussi la mop. Bon, on continue ensemble. Et continue, je me suis lancée à faire des petits galettes comme je commence mes ménages à 5h du matin. Alors je me suis dit, laisse-moi faire des petites galettes aussi pour mes enfants. J'ai mis des fraises, une banane, je vais mettre du lait aussi. Aussi, je vais mettre 3 cuillères de sucre brun, une cuillère de beurre. C'est ce que j'ai mélangé pour faire mes petites galettes. C'est comme ça, on continue. Bon, là, je laisse mes galettes en train de cuire et moi, je me lance directement à passer les balais et passer la mop, les restes des tâches qui m'est resté de ce côté de la cuisine. On avance. Je continue avec l'endroit où on met mes chaussures et comme c'est l'hiver ici chez nous au Canada, il y a les salités tout le temps dans la maison à cause des bottes. Et là, j'ai passé la mop dans mon arrange bottes et j'ai placé les chaussures. Donc thank you.
sommes arrivés à la fin de notre nettoyage. Merci d'avoir regardé, de partager, de liker, de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. On se reverra dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye.